Ok, on va lire à partir du chapitre 1. Amen, amen. 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 C'est un petit message, on ne va pas durer. Amen. On va déjà durer. Amen, amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Amen. Et prends deux, une veille, selon les maisons de leur père. Soit 12 veilles de la part de tous les princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa veille. Et tu écriras le nom d'Aaron sur la veille de Lévi. Car il y aura une veille pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la salle d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la veille fleurira et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous les princes lui donnèrent une veille, chaque prince une veille, selon les maisons de leur père. Amen. Soit 12 veilles, la veille d'Aaron était au milieu de leurs. Moïse déposa les veilles devant l'Éternel, dans la tente du témoignage. Amen. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la veille d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Amen. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les veilles et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les visent et qu'ils prissent chacun leur veille. Amen. L'Éternel dit à Moïse, reporte la veille d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Amen. Moïse dit ainsi. Il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Amen. 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 Ok, on va t'asseoir. Amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 Les enfants d'Israël étaient dans le désert. Amen. Et ils étaient commandés par Moïse et Aaron. Amen. J'ai trouvé que dans le peuple, il y avait ceux aussi qui étaient capables de diriger. Amen. Amen. Parce que Dieu a déjà fait les choses tellement que quand il veut le faire maintenant, c'est dans la simplicité, c'est spirituel, et on ne sait pas que Dieu est en train de répandre le scénario. Jésus a dit, si le bois vert, ça a dit lui, les gens ont pris ça pour allumer feu, qu'en est-il du bois sec, ça veut dire nous. Amen. Alors nous comprenons qu'il y a quelque chose dans cette affaire de bois sec et de bois vert. Amen. Parce que Jésus ne parle pas au hasard. Amen. 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 Quand Dieu avait créé le monde, amen, le monde était sec. Amen. Comme un bois sec. Amen. Comme un désert, il n'y avait rien de vert sur la terre. Amen.
Alors l'homme de Genèse 1 est venu faire pousser de la verdure. Amen, amen. Mais avant que la verdure va pousser, amen, il a fait sortir une vapeur, amen, de la terre pour arroser toute la terre. Amen. Et la verdure est sortie sur toute la terre. Amen. Et l'homme de Genèse 1 est parti planter un jardin d'Éden. Amen. Amen. Amen, amen. Oui. Amen. Alors tout le souci de Dieu, c'était de toujours avoir un jardin d'Éden sur la terre ici. Amen, amen. Amen. Car quand le plan de Dieu, Dieu le déjoue à Satan, mais il a fait son but à tous les coups. Amen, 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 amen. 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 Oui. Parce que la veille d'Aaron était d'abord sec. Amen. Un bois sec. Amen. Un bois qu'il n'y a pas l'eau dedans. Amen. Amen. Et Dieu est parti mettre ça dans la tente d'assignation. Alors Jésus maintenant nous compare à ce bois sec. Amen. Que Aaron avait ça dans sa main. Amen. 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 Aaron a fait beaucoup de miracles avec ce bois sec. Amen. C'est ce bois sec qu'il a pris pour faire tout ce que Moïse a fait. Amen. C'est ce bois sec. Dis amen. Amen. Alors Jésus dit, vous le bois sec. Mais on ne doit pas rester sec. Amen. Parce que tout ce que Jésus a été sur la terre, c'est pour que nous le soyons ici. Si Jésus était un bois vert, c'est-à-dire que nous devons devenir un bois vert. Nous ne devons pas rester un bois sec. Voilà pourquoi il a pris maintenant le bois de Aaron. Il dit ça ne doit pas rester sec. Ça doit changer de niveau. Comme vous vous devez vous. Vous étiez sec, amen, mais vous n'allez pas demeurer sec. Amen. Vous allez changer de niveau. Amen. Puis amen. 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 Dans le jardin d'Éden, Dieu avait un fleuve qui se divisait en quatre pour arroser le monde entier. Amen. 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 Dans le jardin d'Éden, c'était le quartier de Dieu. Amen. C'est là-bas qu'il avait mis ses enfants bien-aimés. Amen. Dites amen. Amen. Alors Dieu, dans sa pensée, si ce jardin de Dieu de façon naturelle a été détruit, par le jardin de Dieu de façon naturelle a été fait sur le modèle du jardin de Dieu dans les cieux. Amen. Oui. Amen. 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 Il n'y a rien de naturel que Dieu n'a pas tiré ça dans le spirituel. Amen. Il y a le jardin d'Éden dans les cieux. Amen. Où il dit qu'il a mis Satan dans le jardin d'Éden. Amen. Où Satan marchait sur le pied est excellent. Amen. Amen. Satan était dans un jardin d'Éden. Et Dieu a reproduit ce jardin d'Éden sur la terre. Amen. Puis amen. 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 Donc Dieu, son plan, ce n'est pas les limites de l'Égypte. Amen. Ce n'est pas les limites des arbres qu'il avait fait pousser et que Adam était dedans. Amen. Mais il avait un plan éternel. Car son ciel là-bas, là-bas, c'est éternel. Amen. Donc le jardin d'Éden qui est là-bas doit demeurer sur la terre. Amen. Amen. Alors Dieu doit avoir toujours un quartier. Amen. Dans le jardin d'Éden, Dieu les rendait visite le matin, amen. Dieu les rendait visite le soir. Amen. Ben, c'était son jardin d'été. Alors il devait venir matin, il devait venir le soir. Amen. Alors quand Dieu a créé son jardin, Jésus est venu nous rendre visite le matin. Amen. Comme étant les trois brillants du matin. Amen. Et en ce temps du soir, il est venu nous rendre visite encore. Amen. En étant le prophète William Marion Branham. Oui. Dites amen. Amen. Parce qu'il a dressé son jardin d'Éden. Depuis le parcours de l'Église. Amen. Depuis que l'Apocalypse. Depuis que à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, tu as créé ton jardin de paix. Dites amen. Amen. Oui. Alléluia.
Amen. Cet enfant d'Israël représentait un bois. Amen. Aaron aussi représentait un bois. Amen. Donc le bois était sec. Pour Aaron aussi était sec. Amen. On va envoyer les deux dans la présence de Dieu. Dites amen. Parce que seulement nous sommes tous dans le message. Chacun a son bois sec. Amen. Mais Dieu ne veut pas demeurer sec. Dieu va demeurer quelque chose qui coule de l'eau. Amen. Parce que la meilleure façon pour Dieu de transmettre le salut à un autre, dites amen. Vous savez, amen. La chose naturelle signifie le spirituel. Amen. Et nous savons que l'électricité amen. Représente la puissance de Dieu. Dites amen. Où ça se coule là? Amen. Maintenant, cette électricité ne peut pas fonctionner dans un bois sec. Parce qu'il faut prendre le bois sec, il faut toucher un milliard de volts d'électricité. Ça ne peut pas se communiquer l'électricité. Dites amen. Il faut le bois mouillé. Là, quand tu touches l'électricité avec, ça communique dans le bois mouillé amen. Et tu reçois aussi l'électricité. Oui. Amen. Amen. Alors Dieu doit avoir des hommes sur la terre. Amen. En priant de Jésus, amen. Ils vont devenir bien comme Jésus. Pour que Dieu, à partir de quand tu vas toucher la chair de cet homme vert, tu sois électrocuté. Oui. Dis amen. Amen. Même tellement que les méga votes sont en lui. Même à distance, il est trop quitté parce qu'il est trop mouillé là. Amen. Donc dans le message, nous tous on a nos bois. Amen. Nous tous on a utilisé la mer, nous avons le bois. Amen. Nous tous on a créé le mouche, nous avons le bois. Amen. Donc la parole, c'est le bois. Amen. Donc c'est un bois sec là. Amen. Dis, amen. Oui. Tu peux écouter la bande de Branham, ça te fait miracle. C'est un bois sec. Dites amen. Fais les gens t'étonner qu'il y a miracle. Amen. Nous, j'ai écouté les bandes. Amen. La colonne de feu est venue s'asseoir dessus. Ça les étonne. Nous, moi, j'écoutais la bande. Mon pied était coupé et ça a poussé. Amen. Donc, ils sont étonnés des miracles. Amen. Le bois sec de Moïse a fait des miracles. Dites amen. Il est arrivé un certain temps. Dieu revendique maintenant que ça pousse. Amen. Ici, ton bois sec, là, faut venir mettre dans ma présence. Amen. Si tu n'as pas poussé, je rejette. Dites amen. Si tu n'es pas devenu mouillé, je rejette. Si tu n'as pas l'eau dedans, je rejette. Amen. Même si c'est le bois de Moïse qui est venu. Amen. Et que tu n'as pas porté du fruit, je vais rejeter. Dites amen. Celui qui a porté du fruit, c'est ça qu'il y a un plan. Amen. 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 Parce que les gens sont en train de murmurer avec Dieu. Amen. Les gens sont en train de murmurer avec Moïse. Amen. Est-ce que c'est lui seul qui est intelligent? Amen. Est-ce que c'est lui seul qui est descendant d'Abraham? Amen. Est-ce que c'est lui seul qui doit nous gouverner? Parfois, même plus, déjà, il est là encore remplacé. Hein, ils aiment la politique. Hein? Amen. Ils vont faire coup d'état encore là-bas dans le désert. Amen. Amen. C'est ce que leurs parents ont fait au ciel. Ils voulaient détrôner Dieu. Parce qu'ils vont les destituer. On va voter. Amen. Ils voulaient faire ça encore dans le désert. Amen. Ils disent pourquoi depuis un temps c'est Aaron et puis Moïse qui viennent chez nous. Est-ce que c'est un seul qui sont intelligents? Amen. C'est ce qu'ils ont commencé. C'est ce que Satan a commencé à dire à Dieu au ciel. Amen. Donc on va revendiquer la même place. Il n'a qu'à me passer aussi. Amen. Amen. Mais les gens étaient têtus. Amen. 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 Mais aussi, il avait des verges. Parce que Dieu avait pris l'esprit qui était sur Moïse. Amen. Et puis il a mis sur les 70. Amen. Dites amen. Amen. Il a choisi les leaders de chaque tribu. Amen. Donc il s'est constitué des leaders de 10, amen. De 100 000, amen. Et ainsi de suite. Amen. Donc les leaders à chaque niveau. Amen. Amen. Oui. Donc les leaders aussi avaient des bois. Amen. Et des bois faisant des miracles. Dites amen. Pour arriver à un certain temps, ils ont commencé à se penser aussi comme Moïse. Moïse a dressé son bois au ciel, la multitude de mousses sont sorties. Amen. Moi aussi, j'ai dressé mon bois au ciel, quelque chose aussi s'est passé. Amen. C'est que je peux me considérer comme Moïse. Amen. Qui
dit Amen. Que nous sommes venus maintenant dire à Moïse qu'on va aller devant Dieu. Dieu va choisir une même personne pour te remplacer. Amen. Parce qu'on est dans le message là. Nous tous on a le message de Panam. Nous tous on a les voix là. Chacun qui a intitulé les voix partout pour gérer le groupe de 10, le groupe de 100 000, le groupe de 100. Amen. Pour arriver un moment, on dit mais pourquoi ce monsieur vient se mettre sur la tête des gens? Amen. C'est toujours ça. Amen. Il est un serviteur de Dieu, tu as une mission. Mais à cause de ce que les gens vont penser, s'il prend ça très haut, il a du mal à le faire. Amen. Il veut penser qu'il a quelque chose que nous. Il veut penser que c'est lui qui est au devant de l'église actuellement, après Coleman. Donc à cause de toutes ces pensées, il y a beaucoup de choses que quelqu'un peut faire, Amen. Et il est brisé de la manière qu'il doit faire. Amen. Donc quand Dieu a dit, lui il était vert, et que nous on était sec, réellement on était sec. Amen. Mais Dieu a commencé à gérer à nous. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit est descendu, on a commencé à être des bois mouillés. Amen. On a commencé à être des bois qui pouvaient recevoir l'Esprit. Amen. Et communiquer à quelqu'un d'autre. Amen. Mais si on se mettait toujours devant Jésus, Amen. On était toujours sec. Amen. Parce que Jésus était beaucoup toujours mouillé que nous. Amen. Dites Amen. Oui. Donc quand Jésus comparait, il dit que pour les bois secs, ce qu'ils m'ont fait, ils vont vous faire ça aussi. Amen. Donc quand ils regardaient, ils ne parlaient pas avant le Saint-Esprit. Ils parlaient même quand le Saint-Esprit allait venir, ce que les gens allaient les faire. Amen. Parce que malgré la Pentecôte, si Jésus descendait, Jésus était plus mouillé que eux. Dites Amen. Jésus pouvait libérer la dynamique que eux. Amen. Mais en ce temps de la fin, Dieu dit, vous êtes au vert, voici le secret. Oui, merci. Amen. Vous êtes un bois mouillé, voici le secret. Amen. Quand un fils est adopté sur la terre, Amen. Il devient un bois vert. Dites Amen. Quand un fils est adopté sur la terre, il devient un bois vert. Il pense qu'au bois vert de Jésus. Amen. Mais tant que tu n'es pas encore adopté, Jésus peut te regarder, il va dire tu es sec. Mais les païens vont te regarder, ils vont dire tu es mouillé. Amen. 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 Alors Dieu ne peut rien faire. Amen. Dieu ne peut rien faire dans son église réellement. Tant qu'il n'y a pas un fils adopté sur la terre. Amen. Tant qu'il n'y a pas un bois mouillé sur la terre. Amen. Parce que ça doit aller de communication en communication. Amen. Donc Dieu doit avoir un réseau Amen. Où son courant électrique passe normalement. Amen. Sans pouvoir se briser en parcours. Oui. Dites Amen. Amen. Alors tu dois avoir un écoutez-le. Pour que tu deviennes aussi un écoutez-le. Amen. Si tu n'as pas un écoutez-le, tu ne peux jamais devenir un écoutez-le. Amen. Parce que celui qui est devant toi a brisé la chaîne. Amen. Tu es descend, mais lui ne peut pas communiquer. Amen. Parce que lui-même il est sec. Dites Amen. Amen. Pour le jardin des saints de Dieu, en réalité, ce n'est pas ce qu'il a voulu faire en Égypte. Parce que Dieu n'a pas perdu son jardin des saints. Voilà pourquoi il nous y a envoyé des serviteurs de Dieu, Amen. Que Dieu était en eux comme son jardin des saints. Dites Amen. Amen. En eux, il y avait les quatre fleuves. Parce que quand tu vas lire dans Ézéchiel, il y avait un être à quatre faces. Ça veut dire que dans ce tête-là, il y avait les quatre fleuves en lui. Dites Amen. Il y avait le feu de Frat, ainsi de suite, jusqu'aux quatre fleuves. Mais le fleuve-là ne s'arrête pas au jardin d'Éden. Le fleuve-là doit sortir du jardin d'Éden et arroser au dehors. Dites Amen. Parce que dans le jardin d'Éden, les quatre fleuves sortaient des dents, mais ne restaient pas dans le jardin. Ça sortait hors du jardin pour aller arroser ailleurs, parce que le jardin était mouillé. Dites Amen. Quand le jardin est mouillé, ça peut communiquer ailleurs. Dites Amen. Alors il te faut un bois. Amen.
Mon bras qui est sec aujourd'hui, les frustrations de Banane sont un bras sec dans ta main. Amen. Et Jésus dit, ton bras doit porter du fruit, doit porter des amandes, doit porter des fleurs. Amen. Donc en un mot, le bras d'Aaron était devenu le jardin d'Éden. Parce qu'il y avait le fruit dessus, il y avait des fleurs dessus, Amen. Il y avait des boutons de fruits dessus. Dis ta main. Les boutons de fruits, les boutons de fleurs, c'est quand la fleur est encore fermée, elle n'a pas encore explosé pour vivre sa beauté. Donc elle est encore en bouton. Amen. Amen. C'est comme quand vous payez les champignons. Amen. Le champignon est encore renfermé. Amen. On peut dire qu'il est encore en bouton. Amen. Maintenant il souffre, et là il est sorti en champignon normal. Amen. Amen. Mais il paraît que c'est quand il est en bouton là que les gens aiment. Amen. Mais pour les fleurs, c'est quand c'est ouvert qu'on aime. Ben, c'est cette beauté-là qu'on aime. Alors Dieu dit la parole de Panam que tu as reçue, mais à ce moment qui est sec dans ta main, tu es arrivé à faire beaucoup de choses. Mais il est arrivé un temps où ton bois doit fleurir, doit porter du fruit, doit avoir des amandes. Si ça met, oh, la menthe, c'est pas n'importe quel fruit. La menthe, c'est quelque chose qui est là comme une forme. C'est pas la chair qu'on mange, c'est le noyau qui est dedans, on utilise. Dis ta main. Donc quand quelqu'un devient bois fleuri, ce qui parle là, il y a des os dedans, ou les os solides dedans. Amen. Il parle avec révélation, qui sont difficiles à être perçus. Donc les gens veulent manger la chair. Mais ce bois-là, lui, quand il pousse ses amandes, ce n'est pas la chair qu'on mange. C'est ce qui est dur dedans, on mange. Amen. C'est ça, on prend pour se traiter. Amen. C'est ça, on prend pour faire tout ce que l'on veut. Dis ta main. C'est un fils adopté. Tu ne peux rien faire sur la terre entièrement. C'est un bois qui a fleuri. Tu ne peux pas communiquer son esprit directement dans un corps. Amen. Parce que si tu as un esprit, si tu as un bois, Amen. Que tu n'es pas trop mouillé comme Jésus était mouillé, Amen. Tu n'es pas trop vert comme Jésus était vert, Amen. Si tu es descend 200 mégas, 200 mégawatts, Amen. Tu vas donner 500, tu vas donner 100. Amen. Amen. Par le courant, si tu le passes 100%, Amen. Donc tu lis ça et plus tu donnes. Amen. Donc toi, tu vas être un écoutez-le, mais les gens ne pourront pas être un écoutez-le. Parce que tu reçois 200 et puis tu transmets 50. Donc Dieu ne peut pas travailler en ce temps de la fin. Amen. Parce qu'une église parfaite, Dieu est produit par un exégète parfait. Oui. Donc comme il est parfait, nous devenons aussi parfaits. Alors le exégète doit être totalement vert. Amen. Un bois totalement vert. Que Dieu va l'utiliser pour bénir son église. Amen. À 100%. Amen. Tout ce qu'il a déposé dans le bois vert va être posé dans son église. Dites amen. Amen. Toutes les pensées ne vont pas. Amen. N'accord, le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Dieu a identifié le bois à un jardin d'Éden. Dieu a identifié les personnes dans un jardin d'Éden. Dieu a identifié son église comme un jardin d'Éden. Alors toi aujourd'hui, il faut te considérer comme le jardin d'Éden. Amen, amen. Dieu fait le retour à Éden. Amen. Parce que quand il était à Éden, tout allait bien. Amen. Quand il était à Éden, là-bas, il n'y avait pas de maladie. Oui. Là-bas, il n'y avait pas Satan. Amen. Amen. Le peuple en a dit, amen. L'Église va manifester le troisième jour. Quand la pression va venir. Amen. 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 L'Église va manifester le troisième pôle. Amen. Quand la pression va venir sur elle. Amen. Alors les gens ont compris une sorte de tribulation qui doit venir sur l'épouse pour que l'épouse puisse manifester le troisième pouls. Amen. Amen. Amen.
Or nous savons qu'en Éden, là-bas, il n'y avait pas la pression. Amen. Et puis Adam déplaçait les arbres. Amen. En Éden, là-bas, il n'y avait pas la pression. Amen. Et puis Adam communiquait à les poissons. Amen. Il donnait les noms aux poissons. Amen. En Éden, là-bas, il n'y avait pas la pression. Amen. Et puis Adam manifestait le livre ouvert, le troisième poule. Dites amen. Amen. Quand Dieu a restauré le troisième poule sur la terre, en la personne de Jésus, Jésus est parti regarder l'arbre, le figuier. Personne n'a dit à Jésus, il faut faire quelque chose au figuier. Vous devez comprendre ce que le prophète a fait pression. Amen. Jésus avait faim. C'était une pression intérieure. Amen. Mais il n'était pas obligé d'aller dans le figuier. Amen. Il était avec ses apôtres. Et il sait qu'il y a beaucoup de chers qui sont là aussi. Amen. Rapidement, ils vont trouver quelque chose pour lui pour manger. Amen. Mais il y a une pression qui est venue sur Jésus. Amen. Intérieurement, il a dit à Jésus, dirige-toi vers ce figuier qui est au fond là-bas. Amen. Va chercher à manger là-bas. Amen. 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 Et Jésus est parti de lui-même vers le figuier. Il a regardé, s'attendait en gagnant du fruit dessus. Amen. Et quand il n'a pas vu le fruit dessus, il a utilisé la puissance du troisième poule pour commander la nature, amen, pour sécher le figuier. Ce n'est pas Hérode qui lui a mis la pression pour sécher le figuier. Ce ne sont pas les pharisiens qui lui ont mis la pression pour commander le figuier. C'est Dieu qui lui a mis la pression pour faire quelque chose. Amen. Dites amen. Oui. C'est le retour à Éden. Vous faites de la parole, c'est le retour à Éden. Le troisième coup, c'est le retour à la puissance d'Adam. Quand Adam faisait les miracles, quand Adam manifestait le troisième coup, Satan n'était pas là pour lui manifester une pression avant de le faire. Amen. Amen. C'était une volonté intérieure, amen, qui lui venait, amen, et puis il faisait. Amen. Sans que Satan agisse. Donc si le troisième poule doit revenir aujourd'hui, c'est en dehors de Satan. Amen. Satan n'a rien à voir de ça. Dites amen. Quand Branham a manifesté le troisième poule, Branham était parti, amen, à la chasse. Il était là chasser les écureuils. Et il n'a pas gagné d'écureuils. Et c'est Dieu qui lui a dit, amen, qu'il veut combien d'écureuils. Branham n'a pas prié pour ça. La dénomination n'a pas mis pression sur Branham pour manifester le troisième poule. Amen. C'était Dieu qui lui a mis la pression. Amen. Il demande combien de clés qu'il veut. Amen. Et il a dit à Dieu, je veux trois de clés. Amen. Et Dieu lui a dit, il faut demander où tu veux les voir. Amen. Amen. Et il a dit, je veux qu'un soit ici, amen, un soit ici, amen, un soit ici. Amen. Et là, Dieu dit, bon, prononce la parole. Amen. Tout amen. Satan n'avait rien à voir avec ça. C'était entre lui et Dieu. Amen. Dieu lui a mis tellement la pression, amen, qu'il a créé cette écureuille, et puis il rentrait à la maison. Et Dieu l'a interpellé. Amen. La pression était sur lui. Amen. Lui-même, il ne voulait pas. Dieu l'a interpellé. Amen. Il m'a dit, mais tu as demandé combien de curés. Il dit, mais il a demandé trois. Amen. Il dit, mais tu as eu Dieu, il te faut le dernier. Puis, où tu as demandé qu'il soit là, pour attendre, il va sortir là-bas. Pour nous, la parole. Amen. Dites amen. Amen. C'est ça la puissance du troisième pour. Ça se manifeste avec une puissance. Amen. Tu n'as rien à voir avec Satan. Amen. Tu t'amènes. Oui. Quand il est parti, tu l'as fait à droite. Tu as encore le même troisième poule. Tu as créé les écureuils. Tu es arrivé encore chez la sœur à droite. Il est parti manger chez la sœur. Au même temps, il est allé manger. Il a eu la pensée de raconter
Son histoire là, c'est assez ouate. Quand c'est une bonne soeur, il pense que s'il la raconte, elle ne va pas se moquer de ça. Amen. Mais lui, il racontait que j'étais à la chasse, j'ai créé le cruel par ma parole, amen, et ça a été créé. Et la soeur cruelle a cru ça. Amen. Elle a dit amen, je le crois. Amen. En même temps, il prie la même onction qui était là-bas. Amen. C'est l'onction du troisième poule. Puis amen, c'est l'onction d'Adam. Il dit c'est revenu en même temps ici. Et ça lui a dit, faut lui demander ce qu'elle veut, tu dois lui donner à l'instant. Branham n'a jamais demandé à ce qu'il veut donner quelque chose à la soeur. Amen. C'est Dieu qui lui a donné une pression intérieure. Tu n'as rien à voir avec Satan. Amen. Quand Adam manipulait le troisième pour là-bas, Satan n'était même pas dedans. Amen. Même quand Satan est venu agir, Adam n'a pas agi à le troisième pour. Amen. Donc avec Satan, on n'a rien à voir avec le troisième pour. Amen. Amen. Le petit bois sec là, c'est ça qui détruit Satan. Amen. Le troisième pour, le bois mouillé là, ça c'est pour nous les fils de Dieu. Amen. On manifeste ça pour nous. Amen. Pour nos besoins. Amen. Tant que Satan nous met la pression, quand tu seras dans l'éternité, et c'est Satan qui va te mettre la pression pour que tu vas créer, pour que tu vas demander des choses. Amen. Dieu ne peut pas manipuler ça par Satan. C'est très précieux. Pour ta main, pour la pression que le petit bonhomme parle, ça n'a rien à voir avec la pression des vieilles folles. La pression des vieilles folles, c'est les églises qui sont présentes, amen, c'est l'organisation qui est présente. Amen. Pour le mettre cette pression. Salut. Mais la pression de l'épouse, c'est Dieu qui fait ça en elle. Amen. Pour lui dire, tu as des retours à Éden. Oui. La femme doit être des retours à Éden. Alléluia. Quand tu as besoin de certaines choses, ne pas faire comme les gens normaux. Amen. Dis amen. Amen. Un jour, tu auras besoin de manger. Amen. Tu vas tomber dans ta tête. Tu vas aller voir le frère Tant. Je vais me donner l'argent et il a mangé. Ça, c'est ta pensée là. Tu t'en vas. Tu sais que tu vas gagner. Amen. Et Dieu vient. Amen. Dieu dit, tu as besoin de quoi? Amen. Tu as besoin de 2000 francs pour manger. Oui. Il dit, mais c'est pas la peine d'aller voir le frère. Amen. Prononce la parole. Alléluia. Dis où ça n'a qu'à se trouver. Oui. Et ça va se trouver. Amen. Toi-même, tu seras serré en toi-même. Amen. Par l'onction, c'est là sur toi. Salut. Tu n'auras pas tout le choix. Amen. Que de prononcer. Amen. Et puis ça va arriver. Amen. Mais dans l'éternité, c'est comme ça qu'on va faire. Salut. Quand on aura besoin, amen, tu n'auras pas à aller demander l'argent à tel frère. Salut. Ou à telle soeur. Tu vas prononcer la parole. Amen. Et puis ça va arriver. Oui. Le besoin va se sentir. Amen. Mais c'est toi-même qui vas créer la situation. Amen. Pour combler le vide en toi. Amen. Puis ta main. C'est ça le retour à Éden. Et les démons, c'est des hommes. Les démons, c'est un homme. Les démons, c'est un quartier. Où Dieu vit dedans. Où Dieu est à l'aise dedans. Où le jardin est fleuri. Où la parole est fleurie. Où chaque situation est fleurie. Où chaque situation est une compréhension différente. Où il y a des amandes qui ont poussé sur le message de Branham. Les fleurs sont partout. Quand quelqu'un entre dans le message est sec. Comme un désert. Puis sa main. Amen. Même au désert, il y a des êtres là-bas. Amen. Un arbre à lui réussit seulement au désert. Amen. Donc si tu es au désert et puis certaines choses fonctionnent à ta vie, il ne faut pas être étonné. Hein? Nous on croit les messages depuis, mais ça va chez nous. Il ne faut pas être étonné. Amen. Amen. Mais si encore le désert, amen, parce que Dieu t'a donné le bois. Il t'a donné le bois de Moïse. Le bois d'Aaron était le bois de Moïse. Puis amen. Ce n'est même plus Moïse qui attrapait ça. C'était Aaron, son serviteur. C'est-à-dire que c'est nous qui attrapons ça maintenant. C'est nous qui attrapons le message. On a fait beaucoup de choses. Mais Dieu demande maintenant que ton bois que tu as dans ta main, il faut que ça fleurisse. Sinon, je vais rejeter ça. Puis amen. Parmi tous les bois qui seront mis dans cette maison. Amen, amen. Ce qui va fleurir, c'est le bois qui va fleurir, c'est ça que je vais prendre. Amen. Qui t'amène. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes entrés dans la maison du message. Amen. Qui
tout ta main. Chacun est entré dans son bois, dans la tente d'assignation, dans le lieu très très saint. Chacun est rentré avec son bois. Chacun est rentré avec sa situation. Chacun est rentré avec les messages de Branham. Nous aussi, on est rentré pour nous. Mais c'est pour qui a fleuri. C'est pour qui a poussé les amandes. C'est pour qui a poussé les boutons. C'est ça que Dieu choisit. Il choisit pas le bois sec. Il choisit pas le bois qui ne fleurit pas. Il choisit le bois qui fleurit. Et il dit que celui-là, c'est ce bois-là que je vais garder en témoignage. Même 1000 ans après, vous allez vous en souvenir. Dites amen. Attendez. Attendez que ce voile-là soit déchiré. Attendez que je tombe en terre, que vous partez m'enterrer. Que là, les gens vont commencer à comprendre ce que vous comprenez ici. Que là, ils vont commencer à accepter. Dites amen. Attendez que je sois pris là. Que ma personne ne sera plus là. Amen. Ma personne a un problème. Amen. Les gens ont du mal à accepter un homme. Amen. À croire à un homme. Amen. Amen. La Bible dit de ne pas croire à un homme. Amen. Ne pas mettre ta foi Amen. Dans un homme. Amen. Mais si Dieu a mis ta foi dans un homme, toi tu peux quoi? Amen. Tu es plus intelligent que Dieu. Amen. Pour que Dieu va confier son travail à quelqu'un sur la terre, Dieu met sa foi en lui. Il dit par lui, mon objectif va réussir. Et puis quand tu es sur la terre, tu dis, moi, je ne mets pas ma foi dans un homme. Moi, je mets ma foi en Dieu. Tout à l'heure, quand tu as mis sa foi dans un homme, toi, tu n'as pas le choix que de mettre ta foi aussi en lui. Tout à l'heure, mais quand je vois les déchirés, quand je vois les tombés en train de partir enterrer, c'est là maintenant Satan vient embellir à son tombeau. Commence à croire tout ce qu'ils ont maudit. Commence à prêcher tout ce qu'ils ont nié hier. Va se tenir debout. Et la prédication du révérend, il faut un écouter-le. Il faut quelqu'un sur la terre toujours. Tu sois un jardin de bien pour Dieu. Où Dieu fait descendre, monter. Où il ne fait même pas d'effort. Mais Dieu les rend visite. Amen. Parce que Dieu doit te rendre visite. Pour que Dieu vienne visiter Adam, Adam ne priait pas. Adam ne gênait pas. Les gens veulent gêner. Ils veulent faire une consécration spéciale pour que Dieu descende. Oh, dans le jardin de Dieu, Dieu n'avait pas besoin de ça. Dis amen. C'est pas une communion parfaite. Et c'est à ces retours-là que nous sommes arrivés. Amen. Et Jésus est dans le bon cœur. Voilà pourquoi Jésus a dit que nous, même tant que je suis là, amen, ils n'ont besoin de rien. Amen. Je coupe tout leur volonté. Amen. Ils n'ont même pas besoin de jeûner. Même de prier même. Amen. Maintenant, je serai ôté au milieu d'eux. Ils auront besoin de ça. Amen. Amen. Au temps de Branham, Branham je n'ai pas comme les dénominations. Amen. 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 Il dit si la croix jeûnait, c'est 3 jours. Amen. 3 jours là, Dieu le répond. Ça dit que si 3 jours, Dieu n'a pas répondu, Amen, il continue à son chemin. Amen. 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 Parce que Dieu n'a pas répondu, c'est qu'il a répondu aussi. Parce que d'après le révérend, le silence, c'est une parole. Amen. Ça dit quelque chose. Amen. Alors, tu viens une semaine, 2 semaines, 40 jours, la démo a fini avec ça. Amen. Le Père Bonhomme dit, quand vous priez, vous ne laissez pas Dieu vous répondre. Amen. Vous priez, priez, vous parlez seulement. Dites quelque chose et puis taisez-vous. Dieu va vous répondre. Sérieux. Mais la démo, c'est pas comme ça. Amen. Et ils vont parler, car même pas de secours, ils vont fermer la bouche. Amen. Parce qu'ils ferment la bouche, c'est comme s'ils ont échoué dans leur prière. Amen. Ils doivent prier seulement. Amen. Quand le Père Bonhomme dit, il s'en va se contacter dans la forêt. Il s'en fait tout ce qui est relâche. Amen. Il demande la chose et puis il attend, il commence à écouter les hiboux, à dormir, à se réveiller, à se promener, Amen, même aller à la chasse. Souvent, il est en train de chasser, et puis Dieu le rend visite. Amen. Et puis Dieu lui donne ce que même quelqu'un va gêner pendant 1 an de sa vie, il ne va pas voir ça. Amen. C'est ça le retour à Éden. Amen. Sans pression, Dieu venait rendre visite. Amen.
et ici dans cette église. Sans pression, sans concentration spéciale. Si quelqu'un doit changer de vie, change de vie. Si quelqu'un doit recevoir le Saint-Esprit, il reçoit le Saint-Esprit. Si quelqu'un doit être sauvé, il est sauvé. Parce que tu as l'obligation de nous rendre visite ce matin, de nous rendre visite le soir. On n'a pas besoin de se mettre en genoux pour ça. Amen. On est ses enfants. Amen. Il doit nous rendre visite. Amen. Quand Dieu rendait visite au jardin d'Éden, il ne le faisait pas dans les autres coins. Amen. En dehors du jardin d'Éden, dites amen. Il y a une pensée qui était camouflée. Amen. C'est maintenant que ça revient. Vous savez, Dieu a dit qu'il a mis Adam dans le jardin des gens pour le cultiver. Amen, amen. 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 Parce qu'actuellement, vous êtes en train d'être cultivé. Amen. Cultivé à la maturité. Amen, amen. Adam était en train d'être cultivé. Il avait la présence en lui, mais Dieu était en train de le cultiver. Amen. Pour pouvoir manipuler toute la plénitude de sa puissance. Oui. Que Dieu lui avait donnée. Amen. Adam était déjà né mature. Adam était déjà en connexion avec l'homme de Genèse 1. Amen. Mais Adam était déjà atteint une certaine connaissance, amen, une certaine maturité. Amen. Pour avoir la maîtrise de manipuler la puissance de Dieu. Puis amen. Alors Dieu est allé cultiver Adam. Donc quand Dieu vient dans son jardin d'Éden, c'est pour cultiver son église. Amen. Et depuis qu'il a commencé, Jésus qui est descendu à la Pentecôte, il a commencé à cultiver l'église dans son jardin d'Éden. Et au bout du chemin, l'église a été maturée. Et il y a un brave vieux qui est sorti en la personne de William Branham. Parce qu'il a attendu. Amen. Branham dit cette fois-ci, Dieu n'a pas échoué. Satan est venu casser le programme de Dieu. Mais quand Dieu est venu commencer, une seule fois-ci, l'église ne va pas échouer. Amen. Elle va arriver au but. Alors la maturité que Dieu voulait donner à Satan. Et puis Satan est venu interrompre ça, cette maturité-là. Amen. Branham a reçu ça. Oui. Pareil, identique au Seigneur Jésus. Avec toute la puissance, avec une maîtrise, pour manipuler la parole. Puis ta main, attends, avec cette même puissance que Jésus avait, que Branham avait. Mais Dieu le cultivait pour atteindre une certaine maturité. Or, Branham avait déjà cette maturité, parce que l'Église a été déjà cultivée depuis Jésus. Et aujourd'hui, si Dieu envoie Éden devant toi, c'est pour te cultiver aujourd'hui, cultiver le message, pour arriver à une maturité, à une hauteur, à une puissance que Dieu a déjà descendu, mais une maîtrise de manipulation. Amen. Mais il y a deux façons de cultiver. Dieu a dit à Adam, amen, quand Adam a péché, Dieu l'a chargé de garder les têtes pour qu'il fasse cultiver la paix. Donc il y a deux façons de cultiver. Amen. Quand il était dans le jardin des têtes, il dormait tranquille. C'est Dieu qui le cultivait. L'apprendre à maîtriser de cette vertu. Amen. Mais quand maintenant Dieu le chasse du jardin d'Éden, Dieu arrête de le cultiver, et ça veut maintenant qu'il doit cultiver la terre. Amen. Pour envoyer la terre à une maturité. Tout amen. Amen. Alors en dehors d'Éden, c'est l'homme qui travaille. Mais dans Éden, c'est Dieu qui travaille. Dites amen. En dehors des peines, c'est le fort humain que les gens font pour avoir certains résultats. Mais dans les peines, ce n'est pas toi qui rêves pour que quelqu'un va guérir. C'est Dieu qui vient te donner. Tu n'as jamais dit que tu vas prier pour la personne. Dieu vient, il te donne les paroles. Il dit, va voir cette personne. Et puis, tous ces deux mots-là, et puis la personne va guérir. Ça, c'est dans les peines. Ce n'est pas ton effort. C'est Dieu qui travaille. Amen. Alors chacun doit savoir, parce qu'on a un quartier général, on a la terre qui est le message, mais dans le message, il doit y avoir un quartier où on appelle le jardin des terres. Dieu avait créé la terre, toute la terre appartenait, mais pas Satan quelque part, amen, mais il a créé le quartier, le jardin des terres quelque part. Oui. Puis sa main, est-ce qu'il a envoyé le message de Jésus? Il y avait le quartier général quelque part. Amen, amen. C'était Paul.
Amen. Et Dieu savait qu'il est parti de faire un quartier général, Amen. Un jardin d'Éden dans le pays des nations. Amen. Voilà pourquoi depuis la Pentecôte, quand c'est descendu, on nous a commencé jusqu'à aujourd'hui. Amen. C'est le jardin d'Éden qui est dressé. Amen. Et Dieu est en train de travailler. Amen. Car c'est Christ même qui marche dans les têtes sans délier. Amen. Puis, Amen. Amen. Alors dans ces sept sans délier, il y a un endroit. Amen. Que Dieu me marque à apprêter. Où il y aura quelqu'un qui va manipuler pour ce qui est le jardin des dieux, la présence de Dieu, les visites de Dieu, et les fruits, le fleur de Dieu, le jardin de Dieu, dans un homme appelé Branham. Et Branham vient, il crie un nom du message. Pour le nom du message, tout le monde est ici là-bas. Tout le monde appartient à Dieu. Amen. Mais il faut avoir un quartier, Amen. Un jardin d'Éden. Où c'est là-bas que les quatre fleuves, Amen. Les quatre fleuves Amen. Vont sortir Amen. Pour arroser de partout. Puis ta main, Amen. Il doit avoir quatre fleuves quelque part. Où les quatre ministères, le quartier du trône, doivent savoir ce qu'ils sont. Amen. Quand on fait les quatre ministères, on prend les quatre fonctions. Amen. Le veau, l'aigle, le lion et puis la face de l'homme qui représente les quatre fruits sont dans un seul homme. Amen. Comme l'animal a quatre faces, lui seul. Maintenant, cet homme désire le jardin des terres. Et par lui, tous les autres sources des quatre fonctions seront connectées. Puis ta main. Alors, il y a le jardin des terres ici en Côte d'Ivoire. Amen, amen. Oui. Là-bas, grand là-haut, c'est le jardin d'Éden, où tous les ministères sont collectés. Amen. Tous les ministères vont recevoir cette eau vive, Amen. Que chacun doit boire, pour manipuler ce que Dieu les a promis. Dites Amen. Et nous aussi, nous sommes collectés, oui. Nous prenons aussi pour nous. Et quand tu prends, tu deviens même chose comme ton maître. Dites Amen. Nous sommes les élèves très soumis. Comme le président l'a prêché, l'humilité. Amen. Si tu es un, Dieu va faire quelque chose avec toi. Si tu es un, Dieu va te rendre un écouté. Mais la meilleure façon d'être un, c'est de te diminuer. Amen. Et Dieu va susciter quelqu'un. Tu ne le sens à rien. Et c'est là-bas que tu dois voir si tu es un. Amen. 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 Pour moi, le grand pasteur, les grands pasteurs qui sont habitants. Amen. Si je me soumets en eux, je ne suis pas un. De toutes les façons, ils sont plus grands que moi. Amen. 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 Il y a un serviteur de Dieu Amen. Qui a fait un songe, qui a vu un ange qui était habillé de façon bizarre Amen. Et qui jouait avec un enfant. Amen. Voyez l'humilité de l'ange. Amen. Comme ce que la soeur a raconté. L'ange vient, c'est les enfants ils aient. Amen. Vos petits enfants. Amen. Et ça, il cesse à les peuples pour aller. Amen. Le grand puissant ange. Amen. Donc la meilleure façon de voir si tu es un, c'est de voir un enfant. Oui. Que toi même tu es grand que lui, et puis prendre ça de lui. Amen. Dis ta main. Mais nous, Dieu nous a fait favoriser. Dieu nous a favorisé le chemin. Amen. Par quelqu'un qui est déjà poussé, comment il va tomber encore? Amen. Amen. Oui. Voilà pourquoi il est très difficile à un sambo d'être sauvé. Amen. Mais nous, nous à un riche d'être sauvé. Amen. Ben, nous, on n'est pas riche. Amen. Nous, on n'a pas de quelque chose à compter dessus. Amen. Nous, on n'a rien. Amen. Donc, quand on regarde quelqu'un à grand là-haut qui s'élève, Amen. On n'a rien à tête. Amen. On n'a pas de nom. Amen. On n'a pas de grandeur. Amen. On n'a pas sur quoi on peut s'enorgueiller. Quand même si les gens le voient petit, nous on n'a rien à faire. On se connaît à lui. On prend l'amour de lui. On prend ce fleuve qui court. Et ça nous alimente ici. Dites Amen. Mais là, ça arrive dans un endroit encore plus compliqué. Mais là, la menace de la personne est très à terre. Et ça vient quand même en genoux un peu. Et celui qui est en genoux, on dit qu'il faut descendre. C'est là qu'on voit l'esprit de l'humilité. Quand Dieu t'a pas favorisé, nous, Dieu nous a favorisé. Il nous a gardé petit pour qu'on puisse accepter quand un petit va se lever. Mais quand Dieu t'a fait déjà grand,
Il t'a déjà donné des renoms. Il t'a déjà fait monter dans un niveau. Et que tu vois un petit qui t'élève, tu ne peux plus croire en lui. Dieu t'a barré la porte. Alors on va te tenir debout. Tu dois avoir un jardin de terre. Il y a des jardins de terre partout. Les Éphésiens sont des jardins de terre. Où Dieu défie, il descend, il monte. Où sang est fort. Ils vont donner le Saint-Esprit, donner l'éternité, donner la perfection. Allez-vous. Ce n'est pas par vos comportements, mais c'est par la grâce de Dieu que l'Église est parfaite. Alléluia. Va t'aimer les yeux. Dieu t'a donné un bois dans ta main. Le bois doit fleurir. Le bois de Moïse, ça doit fleurir dans ta main. Ce que tu entends aujourd'hui, c'est le bois de Moïse. C'est sec. C'est toi qui dois faire fleurir cela. Le bois d'Aaron n'a pas fait fleurir pour quelqu'un d'autre. C'est pour lui qui a fleuri. Ça n'a pas contaminé les autres. Alors Dieu te donne le bois sec encore en retour. Alors Dieu demande que ton bois bourgeonne. Que ton bois porte du fruit. Que ton bois se purifie. Que tu ajoutes à ce que tu t'as déjà donné. Alors tu vas prier. En tant qu'un frère. En tant qu'une soeur. Sur la route de l'éternité. Où le monde a tout échoué. Les scientifiques ont échoué, les devins ont échoué, la politique a échoué. Et qu'aujourd'hui, Dieu te donne l'éternité, Dieu te donne la parole de l'heure. C'est pour que tu aies une puissance, une ouverture sur ta parole, une manière de faire différente des gens du monde. Ton problème te règle de façon différente des gens du monde. Prions ensemble. Ton jardin d'Éden, ce sont les quatre fleuves qui arrosent tout le monde entier. Les quatre anciens, les Éphésiens, tous les cinq ministères que tu as envoyés, influencés par les quatre anciens. Il te faut un Éden toujours sur la terre. Il te faut un jardin. Il te faut un lieu de rencontre. Nous ne devons pas demeurer sec. Nous devons devenir vert. Un fils adopté, il est un bois vert. Un fils adopté, il est transmissible par ta puissance. Il reçoit et il donne la même quantité. Au temps de Branham, c'était Branham. Un bois vert, au temps de Coleman, c'était Coleman. Encore à niveau longtemps, il nous faut devenir vert. Ne continue pas à accepter que tu es un bois sec, mais cherche à devenir le bois vert. Ton bois doit devenir vert, ça doit fleurir. Ton âme doit fleurir. Ton âme doit devenir le jardin des peines. Pour que tu aies un problème, parle à Dieu. Et tu restes tranquille. Tu es ton papa. Tu es ton père. Dieu n'est pas un étranger à toi. Tu es de ton fils de mégawatt. Pas un bois vert. Le bois vert qu'on a reçu à la personne de Jésus a transmis tout ce qui était en lui. Mais quand il est entré dans le bois, qui n'était pas comme lui, ils ont gardé beaucoup. Finalement, l'Église n'est pas devenu totalement comme Jésus.
Alors Dieu a commencé à faire le travail. Dans l'église, toute l'église. Jusqu'à la maturité. Où le fruit est sorti. Pour ce bois église. En la personne de Branham. Un bois vert, authentique. Au bois vert de Jésus. Alors si nous avons reçu un bois vert, il va nous communiquer cela. Alors de tous ceux qui sont sortis de Branham, ils ont reçu tous les TNT de Branham. Il y a beaucoup qui ne pouvaient pas transmettre la même chose. Mais il y avait un seul qui est devenu aussi bois vert. On l'appelle Coleman. Que tous les TNT qu'il a reçus, il a tout transmis. Rien de moins, rien de plus. Tout ce qui était en Branham a été transmis par Coleman dans l'église. Alors aujourd'hui, il faut forcément un bois vert à Dieu. Pas un bois à moitié sec, à moitié vert. Mais un bois totalement vert comme Jésus, totalement vert comme Branham, totalement vert comme Coleman. Il reçoit tous les TNT et sa puissance directement dans l'église. Nous te sommes reconnaissants au courage que tu as permis que tout soit fait, tout soit dit. Amen. Et par le sens que tu as donné à ta vie, beaucoup de choses vont être mises en œuvre dans la vie de chacun. Ce n'est pas le travail d'un homme, c'est le travail de Dieu. Tu as béni Seigneur. Amen. Ma femme, Seigneur. On s'assoit. Ouais.